Annoncé en grande pompe par une presse aux ordres, Denis Sassou Nguesso vient de recevoir un camouflet diplomatique. Pensant bénéficier d'un support financier de la part des pays arabes du Moyen-Orient, c'est tout l'inverse qui s'est produit. De l'autre côté, nous avons un jeune président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui a bénéficié d'une aide financière de plus d'$1 milliard par les Émirats Arabes Unis. Un support financier qui a été annoncé par le prince Mohamed Ben Zayed. Ce nouvel épisode du tourisme diplomatique du dictateur Denis Sassou Nguesso ouvre des horizons de questionnement sur l'avenir de cette famille qui s'est accaparée de tout un pays militairement et a diminué l'image de la République du Congo dans le monde. Ce nouvel échec du régime de Brazzaville prédestine un avenir sombre pour Denis Sassou Nguesso. Un scénario à la Mobutu n'est pas à écarter.